Il a décidé, la France insoumise, a décidé de brader, de troquer tous ses principes républicains contre des votes communautaires que les sondages actuels ne vous accordent même pas. Donc j'ai appris, je termine, je ne vous ai pas interrompu, cher ami, j'ai appris que ça ne dérangeait pas les poupées sans visage de Roubaix, ne dérangeait pas M. Mélenchon. Moi, je préfère les femmes avec visage, parce que les femmes avec visage, c'est le visage de la France. Les femmes sans visage, c'est le visage de l'obscurantisme islamiste. J'ai aussi appris, en écoutant M. Mélenchon, qu'il était beaucoup plus aimable envers les islamistes qu'envers les policiers, qu'il a traité avec un mépris que je n'avais jamais entendu de la part d'un responsable politique. On va voir cet extrait. Monsieur Corbière, où le pouvoir dans les banlieues et dans les quartiers difficiles est à la police, soit il est aux voyous. Il faut choisir. Vous avez choisi les islamistes, vous avez choisi les voyous, vous aurez la défaite et vous aurez le déshonneur. Et je suis très inquiet de la trace que laissera M. Mélenchon dans l'histoire.